Bonjour les enfants, comment ça va? En 1789, c'est la Révolution française. Las tres ideas que alimentaron esta revolución son liberté, égalité, fraternité. Vimos en otro video que Manuel Belgrano, el patriota argentino, estudió en España y se nutrió con estas mismas ideas: liberté, égalité, fraternité. De la revolución surgió un documento muy importante que se llama la Declaración des droits de l'homme et du citoyen, es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entre todos los derechos podemos tomar este, por ejemplo: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Los hombres nacen libres y tienen, son iguales ante la ley. O también podemos tomar este: la liberté consiste à pouvoir faire tout ce que ne nuit pas à autrui. Es decir, la libertad consiste en hacer todo lo que no haga daño al otro, a otra persona. Estos son antecedentes muy importantes para la redacción de otros documentos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. Uno de los derechos del niño se refiere a le droit à l'identité, es decir, j'ai un nom, un prénom. Tengo un apellido y un nombre. Tu sais dire oui ou non? Tu sais oui ou non? Il a le temps de jouer. Il a le temps de jouer. Elle peut aussi rêver. Nous apprendrons à lire. Nous apprendrons à lire. Vous saurez tous écrire. Vous saurez tous écrire. Ils construisent leur destin. Ils construisent leur destin. C'est la conjugaison du droit de tous les enfants au passé, au futur et bien sûr au présent. C'est la conjugaison du droit de tous les enfants au passé, au futur et bien sûr au présent. Merci et au revoir les enfants.